Maxi, écoute, chez Maxi, le poulet entier, hein, en duo, ils te le font des paquets de deux, c'est sûr, parce qu'ils te le font à 1,77 la livre, ou si tu préfères 3,90 le kilo. Ça, c'est intéressant, c'est sûr. C'est la seule place que le poulet entier cette semaine, là, en spécial comme ça. Donc, c'est chez Maxi, hein, c'est le fun. Puis, tu sais, ça sent bon, puis on peut se faire des. Une rôtisserie avec ça, comme des rôtisseries, se faire un petit souper là, avec des patates. Puis moi, ce que je fais, là, c'est que je me prends des pain burgers, sans le toaster, je les sépare en deux, sans un autre toaster, ça me prend deux pains, on est quatre. Fait qu'une tranche chaque, avec une petite sauce Saint-Hubert, une frite là, que je mets dans le four, puis mon poulet là, parfaitement assaisonné, puis juste bien rôti comme je l'aime. Puis écoute, ça nous fait un super souper, puis surtout, il te reste en plus de ça du poulet pour le reste de la semaine. Fait que ça, c'est super. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le jambon. Le jambon en toupie, olimal, 1,6 kg, okay, pour 8 piastres, 7,98. Ça a du bon sens, parce que c'est sûr que tu ne mangeras jamais dans un souper 1,6 kg, hein, même si on est 4, là, non, jamais, tu vas en manger, là. Le tiers de ça, mais tu as mangé 600-700 grammes, ça va être pas mal, hein? Il va te rester encore un bon kilo là, de jambon pour après ça te faire des petits déjeuners. Tu te coupes une tranche, je mets ça dans un poêle, là, avec un petit œuf, là, deux toasts. C'est super facile. Ou bien tu peux te faire un souper après ça avec des tranches de jambon, avec des ananas. Hein? Tu prends une canne d'ananas ou des ananas fraises. Souvent à 2 piastres dans cet incite, 2-3 piastres, les ananas, là, super bon. Tu te fais ça là, avec un petit filet de sirop d'érable. On est dans le temps des sucres là, qui s'en vient. Là, fait que faut en profiter. On est les temps. Hein? Notre sirop d'érable, il est vraiment pas cher. C'est en plus. Puis c'est tellement bon en plus de ça. Autant pour la santé qu'au goût. Puis c'est le sucre là, des riches qu'on l'appelle. Mais nous autres, c'est notre sucre bien ordinaire. Fait que, écoute, je te conseille vraiment ce petit jambon-là. Aussi, chez Maxi, écoute, il y a une charcuterie. Bon, pour tes lunchs. Je te niaise. Je sais bien qu'on n'a pas besoin de ben de lunch dans cet incite-là, ça c'est sûr. Là. Mais quand même, toi, tu voudrais pique-niquer dans le milieu du salon, hein? On sait jamais. On se fait ça, là. On se met une couverte à terre, puis on se dit, on mange des sandwichs au jambon. Parce que là, écoute, c'est des 500 grammes. Hein? 500 grammes, tu sais, ça coûte cher, la charcuterie, ça n'a pas de bon sens. Mais là, à 5,48, ça vaut le double. Ça a bien du bon sens pour 500 grammes. Tu as autant la poitrine de poulet que le jambon. Il y a du jambon forêt noire à l'ancienne. Quand ça, là, il y a toutes sortes de charcuteries. Mais 500 grammes pour 5,48. Aussi, une autre idée que tu pourras faire avec ça, style Subway, là, tu t'achètes des beaux pains. D'ailleurs, chez Maxi, vu qu'on parle de chez Maxi, ils vendent ça, eux autres, c'est 6 pains sous-marins pour 3 piastres. C'est son prix normal, là. Okay, fait que ça vient à 50 cents du pain. C'est pas cher. Fait qu'avec une viande comme ça, on peut commencer à s'amuser avec des légumes comme faire comme chez Subway, à se faire des bons sous-marins comme chez Subway, là, une petite bacon là-dedans. Ça peut être assez effrayant. Fait que, puis en même temps, ça nous occupe. Puis, tu vois, puis ça, t'es sûr que les enfants, ils peuvent pas faire ben d'erreurs. Ils peuvent pas mettre le feu. Ça, c'est sûr. Fait que, en tout cas, regarde, une petite idée de même là, d'activité, mettons. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Écoute, j'aimerais ça en profiter, là, puis je te conseille. Alors, on est-tu chanceux, là, d'avoir des gens en ce moment qui travaillent dans les épiceries? Même mon propre fils, il est un emballeur chez une de ces épiceries-là. Puis vraiment, c'est sûr que ça m'inquiète toujours un peu, mais quand même, il faut qu'on continue. Puis c'est nos héros, comme dirait M. Legault. Puis vraiment, là, moi, quand j'y vais, je manque pas de dire à la caissière, hey, merci d'être là. C'est gentil, merci, fais attention à toi. Tu sais, un petit sourire, être patient, tu sais, de comprendre qu'elle, à l'envoyer, là, des ça arrive pas, là, tu sais, dans toute une journée, fait qu'elle est à risque tout le temps, tout le temps. Puis ça, ben écoute, ça nous prend ces gens-là pour qu'on puisse continuer à faire l'épicerie, nous autres, là, parce que si tout le monde qui travaille à l'épicerie, ils sont malades. Même s'ils ne veulent pas faire mes épiceries, il faut que ça prenne du monde. D'ailleurs, tu sais, là, avec toutes les mesures qu'il y a, il y a bien des gens qui cherchent de l'emploi rapidement. Puis je sais que dans les grandes surfaces, comme les Provigo, IGA, partout, les cacailleries, ils cherchent du monde. Fait que si tu veux te dépanner, là, tant que tu reprennes ta job normale, bien des fois, ça peut-être te dépanner. Fait qu'écoute, regarde ça, hein, c'est sûr, mais reste surtout, protège-toi. Puis profite quand même de ce temps-là. Hein. Dans chaque épreuve, il y a des choses à apprendre. Puis c'est ça qu'on est en train de faire, là. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa popote pendant que je peux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa popote.